à tous et bienvenue pour la suite où le jeu avait violemment planté. Vous avez fait un gros doigt en mode non. Mais au moins nous savons où est la fameuse cheminée. Faut juste que j'arrive à me barrer sans retomber sur l'autre là. Ce qui est embêtant, c'est que j'arrive jamais à comprendre où elle est. C'est dommage que les bruits soient aussi mal foutus, quoi. Ça, c'est clairement dommage. Mais non, il t'a pas oublié. Bah, 19h passées, ça commence à être plus trop une heure où t'appelles les gens, quoi. Donc si, je pense qu'il m'a un peu zappé. Après, ça arrive, hein, mais bon. Putain, mais le jeu rame de ouf, attendez. C'est quoi ce délire? On va tenter un truc. Je vais tenter de baisser la résolution. Mais j'ai l'impression que c'est la mise à jour parce que ça allait très bien avant. Hein. On va tenter de baisser la résolution en espérant que ça règle le problème. Parce que là, c'est pas possible. Fenêtre. Kiki! Tu me fais tomber tous mes papiers! Ils sortent d'ici! Je sais pas si vous avez entendu le chpouf! Non mais oh! Est-ce que ça va moins? On va voir ça, j'ai essayé de changer la résolution. Putain, ça rame un peu, hein. Putain, je sais pas ce qui se passe. Comment ça faire tard pour l'appel? Bah ouais. Est-ce que ça rame moins? J'ai l'impression que ça rame un peu moins, non? Vous me direz. Bon, du coup, je suis plus en plein écran, mais c'est pas grave. Parce que là, ça ramait vraiment beaucoup trop. Donc la cheminée. Ah, mais non, la cheminée. Putain, merde, attends, la cheminée elle est où déjà? Merde, ça y est, j'ai oublié les gens. J'ai tellement couru dans tous les sens. Mais genre là j'entends les bruits de la télé alors que je suis là, il y a un problème quand même. Je sais pas comment ils ont configuré le jeu mais c'est bizarre hein. C'est pour ça qu'on comprend rien où ils sont les méchants à chaque fois. D'accord. Ah c'est pas toi. Mais tout n'importe quoi, je l'avais pas vu. J'ai oublié où est HP, lol. Stop, sister. Non mais je rame hein. Le son se coupe et tout, qu'est-ce qui se passe là? Mais lol, mais elle me court toujours après alors qu'il n'y a même plus le bruit. Le son m'a pété les oreilles. Ah mais là le jeu a un problème hein. On n'aurait jamais dû faire cette mise à jour hein. Bonjour, je suis un peu de bruit. Mais d'où j'entends la télé d'ici, c'est pas normal, je vous jure. C'est une catastrophe sonore. Ah ouais, non mais là, y a clairement un problème avec le jeu, là. Je sais qu'avant, les sons étaient pas fous. Il y avait déjà un problème par rapport à ça. Mais là, je crois que depuis qu'il y a eu la mise à jour, je crois qu'il y a un gros souci, là. Qui est dehors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends la télé là? C'est pas normal. Il y a un gros souci. Et les gens, j'ai tellement couru dans tous les sens tout à l'heure que je me rappelle plus où est la cheminée.
Vous vous rappelez, elle était à cet étage, elle était pas à cet étage? Mince. Je vais allumer la lampe déjà, je veux que d'elle. Vous vous rappelez ce que j'ai fait? Parce que je vais courir dans tous les sens, je sais plus. J'étais monté à un étage, j'étais descendu. Elle est là? Non mais là les sons c'est n'importe quoi, je comprends rien où elle est quoi. C'est terrible. Mais là, mais pourquoi elle s'est mis à courir vers moi avant de me voir? Non mais, hé... Excusez-moi, on n'avait pas ces problèmes-là avant. Là, il y a des soucis, là. Là, il y a des gros soucis. Non, c'est pas moi. C'est à cet étage-là, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Je vais manger votre bêtise occasionnelle. On a déjà grimpé un étage là. C'est pas cet étage là? Le jeu a des gros soucis en tout cas là, ça m'inquiète. Hein. C'est dommage parce qu'on a bien avancé et tout. Merde. Oula. J'étais bien à fond là. Ça fait chier ces petits soucis là. Ah oui, non, là, on est descendu, ah oui. Autant pour... Ah bah oui, elle nous a... Mais elle s'est mise à courir alors qu'elle nous avait pas vus, quoi. Et là-bas, et là-bas, et là-bas. Elle va pas venir jusqu'ici, quand même. Ah mais elle monte, elle fait chier. Elle monte. Je vais essayer de monter, de me cacher dans l'ascenseur de placard et attendre qu'elle repasse. Pas d'autre idée que ça là. Elle va bien repasser normalement. Et là regardez, je suis dans le placard, les sons sont plus forts. C'est bizarre. C'est dommage, on n'avait pas autant de problèmes comme ça. C'est les tours de cet étage, mais là c'est l'étage où il y a la porte d'entrée et tout, on a déjà fait le tour. Je crois que c'est en haut, c'est pour ça qu'elle squatte là. Mais par contre je sais pas si elle va redescendre. Hein, Soumis les détecteurs de mouvement, non mais c'est abusé quoi. Ah, le problème, c'est que je sais pas si elle va redescendre. Ça rame moins du coup, depuis tout à l'heure. Hein. Elle va pas redescendre. Putain, je sens qu'elle va pas redescendre. Je le sens bien. Putain, elle est là, 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 elle est là.
Mais elle descend même pas en fait là, non? Plutôt dramouille, ok. Mais qu'est-ce qu'elle branle, elle descend ou pas? Coucou Mathis! Putain, je pense qu'elle fait. C'est tellement sombre, ça devrait pas arriver, j'avoue. Oh, c'est chiant! Elle va pas squatter à l'étage où je dois aller quand même. Je crois qu'elle arrive, ouais. J'espère que c'est vraiment haut. Putain, je préférais pas du pruneau, hein. On va allumer la lampe. Sinon, je ne vois rien. C'est la chialée, cette connasse. Elle s'infiltre après, elle s'étonne que tout le monde veut sa tête. Oui. C'est un peu ça. Ah, je crois que c'était par là. Je crois que c'était la cheminée. Bip. C'est quoi ces bruits? Elle remonte? Non, c'est une blague. Je n'ose y croire. Ouais, c'était là. Il semblerait qu'il y a quelque chose derrière ce mur. Ouais. Comment elle va faire? Juste pousser. Mais pourquoi on entend la télé? Je crois qu'il y a des gros bugs là. Je crois qu'il y a des gros bugs. Yay. Bon, au moins on avance. On entend l'autre moche là. C'est génial. Mais on entend les mêmes bruits que quand on était avec la petite fille, sauf qu'on n'est plus avec la petite fille, c'est trop perturbant quoi. On entend la télé. Quoi? je veux pas de drogue. On se peut se cacher là. Ah oh, mais du coup avec ces bruits parasites là je comprends rien à ce qui se passe, hein, je vous jure. C'est compliqué. Hein. Putain j'ai vu un miroir. Ça c'est cool. Attendez, on va essayer de fouiller un peu pour essayer de trouver un jeu défensif. Ça serait bien. Oh bon, on voit pas les choses, c'est génial. Pourquoi tu grandis? Pourquoi es-tu devenu Jennifer? Ça rorame, j'ai l'impression. Putain, mais non, mais je crois que c'est le jeu, hein. C'est même pas mon PC, c'est vraiment le jeu là. Je sais pas ce qui lui arrive, mais. Bon, au moins, on va pouvoir sauvegarder. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. Et on va même doublement sauvegarder, parce que vous savez à quel point j'aime ça. Ah, oh, oui. Ah, là, faut qu'elle consulte pour savoir. En effet, ouais. C'est le problème. Alors, il y a forcément des trucs à trouver ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Les roues sont bloquées, le chariot ne bouge pas. Déplacer le chariot qui bloque le mur en plâtre dans le couloir. Ah non mais il y a un problème de texture, il y a un problème de tout là. Je suis en médium, hein, faut se calmer, hein, je peux non plus en... Eh ben comment on débloque les roues? Comment on débloque les roues? Il va falloir un objet. Je n'ai plus d'objets, je n'ai plus rien d'auto. Ça c'était la photo. Ah, c'est dommage, le jeu rame de ouf, c'est dommage.
peux me cacher là, ce qui est bizarre. C'est-à-dire que l'autre, elle peut venir jusque là. Sérieux, c'est flippant, quoi. La tronche des graphismes. Non, mais là, je sais pas ce qui se passe. Je suis tellement désolé, les gens, quoi. C'est dommage. Ok, là, je ressors. Et comment je peux débloquer... Comment je peux débloquer les roues? Un indice ou pas? Déplacer les chariots qui bloquent le mur en plâtre dans le couloir secret. Il doit me manquer un truc, non? T'as pas récupéré le parapluie? Ouais, mais je l'ai utilisé, je l'ai pas gardé apparemment. Non, j'ai pas gardé le parapluie, c'est un peu ce qui est bête. Ça va m'arriver dans le dos. Je prends rien au bruit, ça me rend folle. Ça me rend folle ces bruits. Regardez, elle est pas là en plus, et je l'entends comme si elle était à côté de moi. C'est horrible. C'est quoi une vertébrale? Ça va être compliqué de lui voler, je pense, hein, mais... Bon, le religieux, ça ne peut pas t'aider. Objet de diversion, mais putain, mais je m'en fous des objets de diversion, je veux un objet de... De fight! Poète. Attendez, excusez-moi, juste deux secondes, parce que c'est très chiant de voir les gens qui jouent là. Hop là. Hop. Mais ouais, il donne aucun indice, il faut que je fouille dans toute la maison jusqu'à trouver un objet qui puisse m'aider. Attendez, on va y retourner quand même vite fait. Ouais, je pourrais observer les insectes. Peut-être que tu peux voler le truc à la fille à la télé. Elle n'avait pas laissé un truc. Je crois pas. Stop, c'est bruit, parasite. Ah putain, plus ça tape, le genre de truc que j'aime pas. Est-ce que là je peux me cacher? Mais non. Je veux pas aller me coucher. Là on a fouillé. Mais c'est fou qu'ils donnent pas plus d'indices que ça, quoi. Ah si, c'est autant pour. Les roues du chariot sont complètement rouillées, il faut de l'huile. Alors, où est-ce que je pourrais trouver de l'huile? Peut-être dans la cuisine? Oula, attends, mais même les ondes bug. On va re-sauvegarder vu qu'on est là. Hein. Ça mange pas de pain. De l'huile. Où pensez-vous qu'on peut trouver de l'huile, les moignons? Moi, je dirais peut-être la cuisine. Putain, alors là, c'est le moment de se rappeler où est la cuisine. J'en ai aucune foutue idée. Je ne me rappelle plus. On va demander à la petite fille si elle avait de l'huile. Ah, t'as pas d'huile, s'il te plaît. Faut lustrer les roues, c'est ça. Exactement ça. Le garage, mais y a pas de garage. Bien essayé, Mathis. Non, y a pas de garage. Enfin, en tout cas, on l'a pas trouvé, hein, ça se met. Come to me. Bon, j'y vais au pif, hein, vu que j'arrive pas à comprendre où elle est, de toute façon. Et ça fait un moment qu'on n'a pas trouvé d'objet de défense. Ah bah voilà. Merde. Non. Oh.
oui. Elle descend, elle monte, qu'est-ce qu'elle fait? J'en sais rien. La cuisine, elle était pas à cet étage? Ou elle est à l'étage du dessous? Putain, je ne sais plus du tout, hein. Ça, c'est le bureau. Oh là là! Mais d'où? Putain, mais elle court 5 fois plus vite que moi! Please! Je pense que la cuisine, elle est en bas, je crois. Ouais, la cuisine elle est par là, je crois, non? Je sais plus. On est retourné vers la fille à la télé, du coup. Qui me frappe sur son putain de télé. Et on a réussi à se cacher. Bon. Je crois que la cuisine est par là, si je me rappelle bien. C'est mieux de s'animer. Au bout de 20 minutes pour trouver la cuisine, de l'huile. Et des bouquets. Je sais pas où elle est l'autre moche, hein. Il y a un truc là. Ce serait pas de l'huile? Non, je pense pas. C'est un objet de diversion. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop fouillé cette pièce, donc je vais la fouiller vite fait vu que je suis là. Est-ce qu'on peut s'approcher d'elle ou elle va nous tuer? Alors on peut améliorer notre objet de défense. Genre on rajoute du barbelé sur le couteau, j'en sais rien. Ah non, c'est les ciseaux qu'on a ramassés. Coucou, tu regardes quoi? Je peux regarder la télé avec toi s'il te plaît? Allez viens, je m'installe avec toi. Sans pas les couilles. Tu vois plus ton dessin animé. Elle va venir me taper sur la gueule. Oh, je peux lui prendre la télécommande. Oh, ça m'a fait super peur quand elle s'est approchée comme ça. Non? Ah si, je peux lui prendre la télécommande. Ouais, mais peut-être pas devant elle. Oh, j'ai pris ses piles. Oh putain, j'ai pris ses piles, elle est pas contente. Oh putain, oh putain! Oh putain, oh putain! Ah, la cuisine est là! Je suis cachée! Non mais elles sont deux derrière moi! Mais... C'est une grosse blague! Non mais là c'est rien, je vais crever là. J'ai pris sa télécommande, j'ai envie de voir sa gueule. J'ai ouvert la télécommande, elle me fixait comme ça, j'ai ouvert sa télécommande, j'ai pris les piles, j'ai fait hey. Et je suis partie en courant. Oh putain, lol. Gros lol.
bordel, c'était beau. Oh putain de merde. C'est trop grand monde derrière toi, mais carrément. Ça prend des piles. En plus, je sais pas du tout à quoi on me servait à les piles. Ah si, peut-être aux escaliers qu'il y avait dans la cave, vous savez, il fallait des batteries. Des batteries, c'est des piles, hein. Faut peut-être pas une grosse batterie, faut peut-être juste des petites piles comme ça. Bon, bah j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. C'est à cet étage ou pas? J'ai oublié. J'ai tout oublié. Putain, en tout cas, c'était drôle. Coucou Adravis! T'as loupé une scène magnifique. J'ai shippé des piles à une espèce de meuf qui ressemble à The Grudge et elle a pas aimé du tout. Je vais piquer les piles de sa télécommande juste devant sa gueule. C'était beau. Là, il y a un trou au mur. Bah, c'est dans le mur dans lequel je suis passée, non? Non, je suis pas au bon étage. Putain de merde. Bon, ça va. Surtout, je vous invite à aller voir la rediff sur YouTube quand elle sera disponible ou sur Twitch, comme vous voulez, mais ce moment des piles était magnifique. Du coup, c'était en haut, en bas. Putain, je suis perdu. Je ne sais plus. En bas, non? Je vais la croiser. Pareil, combien? Oui. Genre, non, je vais suivre. N'importe quoi. Stop, hérétique. Pas hérétique. Stop, sinner. Le coup des piles était bon quand même, hein. Je tiens à dire. On va attendre qu'elle s'éloigne un peu. C'est bruit en même temps. Elle est dans la pièce, hein. Oh, Jenny. C'est insupportable, j'entends des bruits et je sais pas où c'est, quoi. Je pense en fait qu'il faut prendre ses piles quand elle se lève pour taper sur la télé, mais bon, j'ai un peu foiré mon coup. En même temps, je pouvais pas savoir qu'elle allait essayer de me bouffer juste parce que j'avais pris ses piles, quoi. Bon, j'aimerais bien juste aller sauvegarder, je crois que la sauvegarde est juste à côté. La sauvegarde est juste là. Oui, voilà. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de lui prendre ses piles sans qu'elle nous pète la gueule. Il arrive l'autre? Voilà, là, attention, on attend qu'elle se lève. Et là, on lui prend ses pieds. Voilà. Ah non! Genre, elle m'a vu aussi! Mais non! Mais non! Non, mais tout à l'heure, d'accord, je les ai pris juste devant elle, mais là. Là, elle m'a pas vu! Putain, elle est pas contente, hein! Je
pourrais plus regarder Willy Vincent. Oh non, merde, je suis retournée dans la cuisine. Fallait pas faire ça. On va retenter le même truc que tout à l'heure, ça ne va pas marcher. Mais je suis pas chée. Oh putain, il y a la deuxième qui vous a vu, c'est ça? Mais comme elle gueule! Mais c'est juste débile! Caché! Je sais pas pourquoi on les veut, mais on les veut, ces piles. Bon, on essaiera peut-être de les prendre plus tard, du coup. Donc, la cuisine, du coup, est pas loin. Et si on trouvait de l'huile d'abord? Oh putain. On va trouver de l'huile. On va. Oh putain, mais bordel de merde, j'en ai marre. On va faire un message thaïlandais à la petite fille avec, et peut-être qu'elle a besoin de donner ses piles à ce moment-là. Non? Ah, je crois qu'elle m'a vu se cacher, hein. Je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort. Oh merde, elle m'a vu! Bon, vas-y, tue-moi, je recommence. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tue-moi, je recommence. Stop, hérétique. Oh. Alors, bah t'as plus de temps. Yeah. Magnifique. On va y arriver. On va y arriver. Non mais putain. C'est genre. Ah, je pouvais plus regarder Willy l'ourson. On va mettre pile, connasse. C'est violent quand même. Hein. Bon, l'autre va ramener son cul. Ça, c'est chiant. L'autre qui squatte là à cet étage, c'est relou. C'est ça, Chigo. L'addiction à la télé est un phénomène dangereux. Protégez vos enfants. Éloignez-les des téléviseurs, ordinateurs et écrans en tout genre. Elle est là. Profitons-en pour passer habilement. En vrai, je sais même pas si l'huile est dans la cuisine. Hein. C'est juste le seul endroit un peu logique où, où j'aurais dit qu'il y aurait pu y avoir de l'huile, mais. Si l'huile n'est pas dans la cuisine, je ne sais pas où il faut aller chercher l'huile. Hein. Ok, bon. Elle a aucune raison de venir là, normalement. Logiquement, on va pouvoir fouiller tranquille. Allez, dans l'huile. Dans l'huile. Ou alors, si c'est pas dans la cuisine, peut-être en bas, justement, là où il y avait l'escalier, non? Je ne sais pas. Vous savez, dans l'espèce de buanderie. Putain, je sens que ça va pas être ici. J'ai un couteau, c'est peut-être mieux que mes ciseaux. On va prendre le couteau. J'essaye de bien garder en haut au cas où. Putain, elle est pas loin, l'autre moche. Ah! Ah non, merde. J'ai cru qu'il avait trouvé un truc. Mais dans l'ouïe, Hmm.
plus pour... Ok, ça sert à rien. Ça c'est un objet de truc mûche. Putain, lui il est pas là les gens, hein, je crois. Je veux pas vous décevoir, mais... Quoi? Oh putain! Ça m'a fait peur, je crois que c'était elle. Et pourquoi pas le sous-sol pour les portes? Le sous-sol pour les portes ou les machines? Vous parlez de la buanderie là? Je finis de façon mon petit tour dans la cuisine au cas où. Ça c'est un objet de diversion. Et c'est là où on avait ramassé je sais plus quoi. Je crois que lui il est pas là. Oui la buanderie. Ouais bah, je pense qu'on va faire ça, on va essayer. Putain, faut que je me rappelle où est la buanderie par contre. Je crois que c'est à l'étage d'en dessous, faut que je redescende. J'entends marcher, je ne sais pas où elle est. Oui, j'ai une jupe et des talons, ouais. C'est juste infaisable, quoi. Non, c'était pas là, merde. Putain, je sais plus où c'était, les gens. C'était pas là, non? Quoi que c'est... Ah, si, c'était peut-être... Putain, j'ai un doute. Ah, si, c'est là, c'est bon. Alors... On va rallumer la lampe, putain, on voit rien, quoi. Ouais, les piles, c'est peut-être pour ça, là, hein. Quoique, non, on dirait qu'il faut une grosse batterie. Ah! Ah non. Putain, la déception à chaque fois. Par contre, ouais, si lui, il est pas là... Après, faut peut-être trouver ça dans une lampe, vous savez, une lampe à huile, tout simplement. Genre récolter de l'huile dans une lampe à huile. Mais alors là, ça peut être n'importe où, du coup. Et là, ça serait la merde. Ah non, c'est là! Ah non. Je fais des espoirs toute seule, c'est juste pour améliorer l'objet de défense. C'est au fond. De quoi? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'huile, les gens. Déception ultime! L'huile n'est pas là. Putain, mais du coup, ça peut être n'importe où. Et ça, c'est pas cool. Je réfléchis, mais ouais. Là, ça peut être vraiment n'importe où, quoi. C'est chaud, hein. Ne me dites pas qu'elle va descendre ici, hein. C'est abusé. Tiroir du genre random, ouais, non, mais c'est ça qui me fait chier. C'est que si c'est le cas, s'il faut vraiment faire toute la maison de fond en comble. Ouais, là, je sais pas. Je sais pas, et c'est 20h, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, du coup. En plus, elle est là. Ça le cogne. Elle va monter de toute façon, là. Elle va pas aller vers moi, ouais. Vous voyez, genre... Quelle mouche t'as piqué?
Ça, ça marche toujours pas. Je sais pas où peut être cette tuile. Hein. Merde, ferme. Je sais pas où on est là. Là, j'ai été ici. Putain, c'est bruit, j'en peux plus. Oh, bah tiens, un miroir. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je te regarde, mais bon. C'est trop tard. Ah bah oui, je vous avais dit les moignons, hein. Je vous avais dit 18h21 à peu près. Ah non, là je suis désolé. On essaiera genre demain ou après-demain de faire un live. Genre je commencerai à 18h, on terminera à 21h. Mais là je suis vraiment crevé, j'ai dormi 2h et j'ai vraiment besoin de m'en reposer. Donc pour ce soir, ouais. Lui a obtenu grâce à l'escalier où tu dois trouver une batterie, visiblement. Ah! As-tu une information sur la batterie en question? Parce que là, j'ai eu aucune info pour la batterie, hein. Parce que je pense pas que ça soit les piles qu'il faut récupérer à la meuf. J'ai pas l'impression, du moins. Ah mais si, on est là, d'accord. J'avais pas tilté. Ou alors peut-être qu'il faut récupérer simplement la batterie qu'on a mis dans le truc du film là. Non. Dans le vidéoprojecteur. Si c'est les piles, hein, putain. Putain, j'avais raison. Je suis trop forte. Eh bien écoutez, histoire de terminer ce live en beauté, nous allons une dernière fois tenter de voler ces piles. Je sens que ça va être très très comique. C'est pour ça qu'il va falloir courir. Alors attendez, est-ce que je me rappelle où il faut aller? Il faut aller en bas. Juste re-sauvegarder avant. Juste devant, voilà. Je vais attendre quand même qu'elle se relève, mais j'ai l'impression que ça change rien du tout, quoi. Enfin, je crois. Il y a écrit AA batterie et AA batterie sur Google, c'est des pièces. On va essayer, hein, de toute façon, j'ai pas d'autre idée. Tu veux les pizzas jouer. Si on se cache, j'en sais rien, non. Je pense que ça changera rien du tout. Je vais attendre vraiment qu'elle tape sur la télé, qu'elle soit occupée. Ouais, non, automatiquement ça déclenche ça. J'ai pas le choix. Aïe, oh putain, non mais d'accord. Wow, comment je rame là. Mais elle est devant moi! Mais meuf! Non, j'ai raté, je suis morte. Non, mais si en plus le jeu il rame comme ça. On retente. Je passe 5 minutes près. On retente. Bon, on aura tout de même quand même pas mal avancé, je suis assez contente. C'est juste dommage que le jeu rame d'un coup autant. Mais bon. Heureusement, on ne peut pas y faire grand chose. Oups, je glisse sur des patins. Oh, c'est un peu injouable, hein. Ah mais elle est en face quoi. Non mais lol. Je
Je sais pas si on va y arriver. La pression, la pression. Faut juste que j'essaye de me cacher. Oh! Vous avez vu Storm Fiscate quoi? Et là t'as vu qu'il débarque, ouais putain le gros combo. Restez calme, restez calme, juste calme, juste calme, juste calme, juste calme, juste calme. Ouh, juste plus calme, juste plus calme, juste plus calme. Elle est partie ou pas? C'est chaud en tout cas. C'est chaud mais c'est marrant. J'aime bien ce jeu quand même. Ok, je pense qu'elle doit être partie. Il y a une sauvegarde juste dehors, j'aimerais bien la sauvegarder. Je crois. On va peut-être d'abord tenter ça, là. Oui, ce sont les bonnes piles! Ok, donc on va pouvoir monter dessus et genre l'huile doit être en haut, un truc comme ça. Oh yay! Comment on avance là? Génial! Le problème c'est qu'il y a toujours du bruit, Chico. C'est le problème. Ça s'est très bien passé! Ouh! Charge. Ok, il y a eu un chargement, tout va bien. Normalement, il y a une sauvegarde juste dehors. Ah merde, non, il n'y a pas de sauvegarde ici. Putain, merde. Je pensais qu'il y en avait une. Fais chier. J'aimerais au moins sauvegarder quand même. Alors, essayer de retourner du coup à l'endroit où il faut utiliser l'huile pour sauvegarder. Est-ce que je me rappelle où c'est? Normalement, oui. C'est pas à cet étage, c'est à l'étage d'au-dessus, je crois. Est insoutenable! Je crois que c'est à cet étage. Putain, on est en mode fufu activé là, ninja! Il y a une sauvegarde là, je me dis ouais, ouais, c'est ce que je fais. C'est là où je vais dire. Et là, elle nous attrape par derrière et... Ah! Hein? Attends, je suis où, là? Ça n'a pas marché, là. Il y a eu un bug. Ah oui, non, ça n'avait pas marché. What? Ah, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Est-ce que je peux courir jusqu'à la sauvegarde? J'ose même pas, quoi. Alors que normalement, je pense pas qu'elle puisse venir ici, mais bon. Ça me stresse qu'il y a un placard pour se cacher, ça fait genre d'être pas en sécurité ici. Oh, puis merde! Tip, 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 tip. Ah. Oui. Bon, on va servir tout de suite de l'huile parce que je suis une petite curieuse quand même.
d'olive. Enfin, boîte d'huile d'olive, attention, hein. Extra vierge. Putain, on voit plus le jeu. Pourquoi elle est ressortie, je sais pas, j'ai appuyé qu'une fois. Hein. Je vous jure. Yay. Coucou, Parkim. Oh, t'arrives quand on finit, voyons. Ouais, objectif complete. Ça va qu'il y a quelque chose derrière ce mur. Mais je vois rien. Creuser un passage dans le mur. Non mais attends, le jeu, je ne vois rien. Et je creuse avec quoi? M'explique, là. Oh, boum. Je crois que j'ai lancé mon truc d'huile. Ah, mais attendez. Oh, oui, intelligent, on pousse la statue sur le mur. Par contre, on ne voit plus rien. Yay. Ouh, explorer la chambre de Céleste. Bon, on explore cette chambre et on s'arrête. La fille qui arrive plus à s'arrêter. Mais là, le... Il y a trop de suspense, là. Je ne peux pas m'arrêter tout de suite. Donc Céleste, alias Jennifer, enfin, semblerait. Ce n'est pas un miroir pour sauvegarder, c'est quoi ce délire? Il y a un gros lapin. Je suis coincée dans je sais pas quoi. Ah, ok. Mais attends, c'est bizarre, je peux rien observer. Oula. Et je crois qu'il y a une ombre qui a bugué, ça m'a fait peur. Plop twist, il n'y a rien dans cette chambre. Mince alors. Mais il n'y a rien que je peux regarder et tout. C'est bizarre. Et putain, on voit rien. Hein. C'est terrible. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Non, ça a l'air, je peux pas observer le journal et tout. Le jeu a bugué encore ou qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Je peux rien observer. Bah merde alors. J'ai fait le tour 4 fois. Bon bah je me casse. Je comprends bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe encore? Regarde l'objectif. Bah l'objectif c'est fouiller la chambre de Céleste, hein. Explorer la chambre de Céleste. Le problème, c'est qu'il n'y a rien à observer. Enfin, à part les deux tiroirs là que j'ai fouillé déjà, mais... Là, il n'y a rien ici. Ah mince, on va pas s'arrêter là-dessus, c'est trop triste. Je crois que le jeu a des petits soucis quand même. Hein. C'est dommage, parce qu'il est quand même sympatoche. Bah, flûte, alors, mais qu'est-ce qu'il faut trouver, là? Ouvrir le rideau. Bah. Alors là, je comprends pas. Hein. Je peux rien fouiller quoi. Il doit forcément y avoir quelque chose. Ouais, mais j'espère que c'est pas le jeu qui bug parce que c'est bizarre. Là, je peux rien observer du tout. Merde, j'ai rouvert. Gre. Faut aller au tiroir près du ventilo. Le
tiroir près du ventilo. Where is the ventilo? Bah il est là. Bah j'y suis. Y a rien. Y a rien du tout. Ah. Les émissions du jeu sont tellement moches qu'elle sait pas, elle voit pas où il faut fouiller peut-être. Là il y a un bouquin mais elle s'en fout, elle le referme. Bah mince alors. Je peux l'ouvrir. Du coup j'ai cliqué de partout comme une débile. Ah merde. Ah bah non, ça casse l'ambiance, c'est quoi ça dire? Oh monsieur. Bon bah sinon on va s'arrêter là, je suis désolée, je vous laisserai en suspense, mais je pense que ça a bug, ouais, je pense que ça a bug aussi. Et bah voilà, écoutez, on aura gardé le suspense jusqu'au bout. Que va-t-on trouver dans la chambre de Céleste? Céleste S. Jennifer.